Départ du transporteur avec trois loulous, notre petit Twix, Tac au Tac et Tootsie, qui vont partir pour la Bretagne et la Normandie. Donc un long voyage les attend. Ah, notre petit Twix notamment, il prenait beaucoup de place. Ça va faire du vide. Allez, avec du retard, on part en pastoralisme. J'apporte le repas de croquettes aux chiots qui m'attendent d'en bas. Hop. Et puis là, ben, nettoyage après qui m'attend. Balayer les crottes du jour, tous les jours, tous les jours. Ça, c'est juste un lot de chèvres. Il y en a d'autres. Et la poule Sidonie attend aussi les croquettes. Allez, venez les petits bébés. Ouh, qui c'est les petits chiens qui ont faim tout ça. Et Sidonie, profite. Aujourd'hui, c'est foin. J'ai pas eu le temps de faire de la verdure. Là, je viens d'enfermer 7 ou 8 chèvres là-bas qui sont revenus. Il y en a d'autres qui sont devant leurs autres bâtiments. Il faut rester aussi de retour. Donc Eric ne les a pas vus partir. Alors, je les enfermer avant qu'elles aillent faire de bêtises puisque notre ferme est collée serrée au village. Et alors, qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Vous trois? Mais tout ce qui s'est passé. Allez, rentrez. Allez. Ici.
des chèvres qui sont revenues, je sais pas combien il y en a. Et je découvre ça. Je sais pas qui a mis bas. Il y avait Ricotta qui devait mettre bas, mais je l'ai pas vu. Alors, petit bébé. Un joli petit mantelet marbré. Oui. Ricotta la prochaine à mettre bas, mais ça fait 15 jours qu'on dit elle va mettre bas bientôt. Allez. Ça balotte. Là, je suis en train de terminer ce bâtiment. Normalement, ce soir, je devrais avoir terminé. Il y a le feuillage, etc., qui est reparti avec le vent au fond. Je vais reprendre un petit balai et je termine ici. Désinfection, passage de la chaux, copeaux de bois, paillage, nettoyage du matériel, on remet tout là. C'est... De retour du plus long, du plus loin champ, voilà Miba. Avec un petit mâle marbré, puis un mâle chaud et une femelle sable.